Part avec un excellent départ de Goken, le numéro 8. Bon départ aussi à mettre à l'actif de Chamal côté corde, tandis que l'on a également pris un départ de choix avec le numéro 2, Matmu, qui est assez brillant en début de course, on le reconnaît à ses œillères australiennes. Goken est également tout pris avec aussi le numéro 6, Avabin, et surtout Chamal côté corde, le numéro 7, le grandissime favori. On progresse aussi à la corde avec Parsley, une pouliche britannique qui porte le numéro 10. Souvenir de Londres attend en 6-7e position environ. Et en dernière position pour l'instant, on retrouve Pivot Avriou accompagné de Queen Bee, une pouliche qui est issue des réclamés et qui ne cesse de monter les échelons. Les concurrents qui luttent avec l'avantage pour le numéro 2, Matmu. On se défend bien aussi avec Chamal, Goken qui tente de passer à l'offensive également. Avec le numéro 6, Avabin qui se défend bien. Souvenir de Londres tente également de regagner du terrain. Et on se rapproche aussi avec Parsley côté corde. L'avantage est pour le numéro 2, Matmu, devant Goken qui vient. Matmu qui penche un peu mais qui a nettement l'avantage. Goken qui se défend bien même si Queen Bee finit de plus en plus fort pour la Kazakh de Gérard Augustin Normand. Le 2, Matmu va quand même l'emporter devant Queen Bee. Goken qui passe 3ème devant Pivot.